Salut à tous, bienvenue sur la chaîne Techno01net. Prenez votre smartphone. Je prends mon smartphone. Jetez-le par terre, trempez-le dans l'eau, trempez-le dans l'huile, dans l'huile bouillante. Ouais, ça mieux. fera un escargot tout chaud. Voilà. Ou plutôt en fait, ça fera un smartphone qui ne marche plus. Et oui, sauf si vous avez un smartphone durci, comme on dit. Et c'est vrai oui. que c'est une des grosses tendances du moment. Les constructeurs, et pas forcément les plus connus, euh, bah, se mettent à sortir des smartphones qui sont durcis, qui résistent à l'eau, qui résistent au choc, qui résistent à la poussière, à la terre. La chaîne Techno Zéro Net et le Zéro Lab en a testé un, hein, Jérôme Oui, c'est le smartphone de Caterpillar. Alors, euh, c'est vrai que Caterpillar, c'est du solide, hein, ah, ce oui. sont les engins de chantier. Ah, moi, j'adorerais piloter un tracteur Caterpillar. Non, sérieux ah, oui. ah ouais, ouais vraiment. Ah, bon. Si vous êtes euh, conducteur ah, oui. d'engins de moi, chantier, si moi, vous voulez moi, moi, je faire bien. plaisir aux jeune homme, invitez-le. Je bon, là, le on, on se focalise quand même sur, non pas le tracteur mais sur le téléphone le smartphone Caterpillar ouais. qui résiste à peu près à tout. Alors est-il à la hauteur ce smartphone Caterpillar Réponse avec Bruno Cormier du 01 Lab. Alors voici le 4B15, c'est un smartphone Android renforcé, 4 pour Caterpillar donc il est dérivé de la célèbre marque de bulldozer et autres engins de chantier donc c'est un téléphone renforcé on peut le voir il a un look très stéréotypé hein. alors c'est pas très esthétique pas très design il est plus épais qu'un smartphone normal hein. il fait 1,5 cm d'épaisseur il est aussi un peu plus lourd 170 grammes cela dit il tient très bien en, en main avec un écran 4 pouces on l'a testé dans un peu les pires situations dans l'eau face à la poussière dans les chutes et effectivement il est renforcé et il a tenu le choc dans toutes nos phases de torture. Donc, oui, il est certifié par nous-mêmes indestructible ou presque. Premier point fort, euh, l'appareil est tout terrain, donc euh, il est étanche, à condition évidemment de refermer ses caches qui protègent sa prise casque et sa prise USB. Euh, il est aussi anti-choc on l'a fait tomber euh, d'une hauteur jusqu'à 1m80. Euh, sans le projeter par terre évidemment parce qu'il est toujours possible de casser le téléphone hein. on vous rassure si vous le projetez contre un mur ou l'écraser par terre il se cassera surtout que l'écran utilise une technologie euh, gorilla glace. Qui est finalement présente sur tous les autres smartphones. Donc il a effectivement un écran qui est anti-choc, anti-rayure, mais pas plus que celui d'un autre téléphone comme un Samsung, Galaxy ou un HTC ou un Sony Xperia qui ont aussi des écrans anti-choc, anti-rayure, souvent de la même technologie Gorilla Glass. Autre point fort, euh, le logiciel qui nous a très agréablement surpris. C'est un Android classique, Jelly Bean, mais euh, dont l'interface est très bien maîtrisée, donc c'est très fluide très réactif, c'est très agréable à utiliser. Et dans sa catégorie de smartphone, on va dire, milieu de gamme, c'est un des smartphones les plus agréables à utiliser qu'on ait pu tester jusqu'à présent. Dernier point fort, l'autonomie du portable, qui est excellente pour un smartphone à 300 euros. On a mesuré 16 heures en appel, 8 heures en navigation web 3G et 7 heures en lecture vidéo. Donc ce sont des excellents résultats pour un smartphone de cette catégorie. Le téléphone assure sur l'essentiel au niveau qualité, difficile de lui reprocher quelque chose pour son prix. Cela dit, on, il a deux faiblesses. La première, c'est au niveau de la mémoire vive, il n'a que 512 mégas de mémoire vive. On aurait préféré avoir 1 giga de mémoire vive, ce qui est un peu près un peu plus normal chez les smartphones actuels. Deuxième chose, c'est l'écran qui est effectivement très lumineux, mais qui reste un écran à technologie d'entrée de gamme, ce qui veut dire qu'en fait, il aura des angles de vision assez restreints et donc un confort de vision assez limité par rapport à d'autres écrans aux angles de vision beaucoup plus larges. Dernier détail, c'est plutôt une suggestion de notre part. Euh, on aurait aimé que ce téléphone offre un volume de communication vocale bien supérieur à ce qu'il offre actuellement pour pouvoir notamment entendre son interlocuteur au téléphone sur un chantier dans un environnement bruyant. Alors, est-ce que ce téléphone vaut le coup en termes de rapport performance-prix, certainement, c'est un téléphone qui est extrêmement agréable à utiliser, qui a une très bonne autonomie, et pour 300 euros, on ne peut pas lui demander grand-chose de plus. Cela dit, il n'est pas très joli, il est épais, donc difficile à porter dans une poche. Ce n'est pas un téléphone de ville, ce n'est pas un téléphone mondain à réserver aux baroudeurs, aux grands sportifs et aux chefs de chantier. Voilà un bon vieux téléphone de chantier, Jérôme. Hein Toi qui adores bricoler et boire une bière, eh bien, <laughs> tu as ton téléphone. <laughs> Cela dit, alors il y a ce Caterpillar, mais il n'y a pas que Caterpillar qui s'est spécialisé dans ce domaine. Il existe d'autres téléphones durcis. On avait vu notamment, rappelle-toi, au world Congress à Barcelone, un téléphone Samsung Dursi ouais. encore. Bon, ils ont des looks toujours un peu spéciaux. Ah ben c'est hein. des looks de baroudeur. Hein. Ouais. Euh, voilà, c'est pas un téléphone à mettre dans boxes. un sac à main, c'est sûr. Mais en tout cas, euh, pour certains métiers, hein, pour certains corps de métier, c'est indispensable. Un sens. Voilà. Et puis ce sont des téléphones bien sûr qui tournent. Sous, euh, sous Android la plupart du temps. Voilà, euh, on se retrouve demain évidemment Bien sûr. pour une nouvelle vidéo high-tech. Salut à tous. Salut à tous. À vous, Lauré RTF. Bruno Cormier Bruno Est-ce que vous êtes sur les lignes Comment Tu parles